Salut tout le monde, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Scrap Mécanique. Aujourd'hui, je suis retourné dans le workshop, je suis allé voler 2-3 constructions, étant donné que moi-même, je ne sais pas les construire. Mais non, je déconne, bien sûr, tout ce que vous allez voir, je suis capable de le construire avec un seul pied sur la souris même. Alors, et ça a pas changé Scrap Mécanique? C'est pas plus joli qu'avant? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé, enfin en même temps, je dis ça, ça fait longtemps que j'ai pas redémarré Scrap Mécanique. Donc aujourd'hui, vous allez voir que j'ai encore déniché des constructions, ça va être des trucs de malade. Et je me suis réservé une petite construction pour la fin. Une construction qu'un abonné m'a fait, en fait, ça m'a sauté aux yeux direct. La construction s'appelait Jolat Mystery Box, donc mystérieuse boîte. Et du coup ça m'a attiré l'œil et j'ai envie d'aller voir ce qu'il y avait dans cette mystérieuse boîte. On verra ça un peu plus tard. Alors déjà la première construction qui m'a tapé à l'œil, c'est celle-ci. En fait c'est un Tetris apparemment. La construction s'appelle comme ça, Tetris Scrap Mécanique. Donc putain, regardez comment que ça a l'air pas mal fait, franchement. Je sais pas du tout comment que ça marche. Alors on va le poser par terre. J'espère que ça va pas faire laguer la terre entière. Alors, comment que ça marche cet engin? Faut faire quoi avec ça? Attends, faut peut-être aller là. Or, basique. Ok, je vais appuyer là. Ah! Ok, d'accord. Attends, est-ce qu'on peut jouer? Ouah, comment que ça déchire? Attends, est-ce qu'on peut changer non? Suivant! Regardez ça! Alors là, je vous le dis, c'est une autre construction qui m'a attiré l'œil. On aurait dit une borne d'arcade, mais en fait, c'est une borne d'arcade. Par contre, putain, il a l'air complètement bugué le bordel, mon vieux. Comment que ça marche, ça? Attendez. Oh là là, le bordel, mon vieux, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez, on va monter là-dessus. D'accord. Ah, j'ai compris! Attendez, j'ai compris si je fais ça. Ah, excellent! Trop fort! Ah ouais! Ok, d'accord! Excellent! D'accord, regardez. Il y a les points et tout qui s'affichent. Trop fort. Oh là là! Allez, suivant! Attendez, parce que là, celle-là, je voulais la voir. C'est une image de Scrap Mécanique, apparemment, mon vieux. C'est un portrait et tout. Alors, mais arrête de courir, mon vieux. Putain, que c'est chiant avec ça. Regardez ça, comment que c'est bien fait. Il est bien fait, hein, franchement. Hein? Ah! Il est quand même un peu plus joli comme ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'aime bien comme ça, tu vois. Avec un petit peu de rose en bas et tout, c'est juste ce qui manquait, tu vois. Une petite touche girly. Il est super sympa comme ça. Ah ouais, moi j'aime bien. GG. Et là, je suis certain de voir dans les commentaires. Oh mon dieu, Jolat, t'as détruit une œuvre d'art! Mais c'est un crime! Eh ben non, moi je le trouve joli comme ça. J'aime bien. Alors là, celle-là, mon vieux, c'est un truc de malade. J'ai vu ça, c'est carrément un sniper. Oh là là, comment que ça déchire, mon vieux. Pff, comment que ça marche, ça? Tu peux tirer avec ça ou... Hein? Ah ouais, regardez ça, mon vieux. Bah c'est carrément mieux comme ça, regarde ça. Il était pas fini son sniper là. Il est pas mieux honnêtement comme ça. Avec un petit siège et tout pour s'asseoir derrière. Franchement, ça déchire. Ça déglingue comme ça, regardez ça. Comment qu'il déchire, mon vieux, comme ça. J'adore. Eh, je vais y renvoyer sa construction comme ça. Il va pleurer tellement que c'est beau, mon vieux. Ça déchire. Allez, suivant. Alors là, celui-là, je l'ai pris. Parce que franchement, on aurait dit le camion de C'est pas sorcier, tu vois. Le truc avec Jamie, Marcel et tout. C'est quoi ces gros lags là, mon vieux? Pouet. Et sinon, il y a un moteur sur le camion, ça avance ou comment que ça se passe? Il y a forcément un truc quelque part pour le faire avancer, non? Pourquoi ça avance pas? Ah bah le volant il est à droite, mon vieux. Ah bah ouais. Bah ça doit être un américain qui l'a fait, je pense. Non, franchement il est bien fait, c'est un truc de fou, regardez ça. Regardez comment qu'il est bien fait. Je vais y renvoyer comme ça. Voilà, il va être content comme ça, mon vieux. Alors, il est pas mieux comme ça? Hein? Il me dira ce qu'il en pense, le chef. Hop, il est roux comme ça, mon vieux. Eh ouais, c'est quand même tout de suite, tu vois. Regarde, tout de suite, ça y redonne de la vie, tu vois. Ça y donne du peps, j'ai envie de dire. Suivant. Alors là, celui-là, c'est pareil, je l'ai trouvé bien parce que franchement, c'est un logo Scrap Mécanique. Eh, mais attends, comment qu'il a fait ça? Ah, il a fait ça avec des tuyaux et tout. Putain, comment que c'est beau, mon vieux. Ça déchire, regardez ça. Ça fait quelque chose ou quoi? Ça roule, ça vole, non? Attends, je vais voir s'il y a des connectiques. Ah ouais, il y a des connectiques. D'accord, ça a pas l'air de faire grand chose. Ok, d'accord. Bah c'est bien. Non, franchement, il est sympa. Suivant. Alors là, celui-là, je vous le dis direct, c'est le monstre des vélos, mon vieux. V'là le vélo de malade. C'est un vélo. Ah ouais, c'est un tricycle, regardez bien. Oh là là, il a mis des connectiques et tout. Ah ouais, normalement ça doit rouler. Alors attendez. Putain, mais arrête de courir, mon vieux, qu'est-ce qu'il est chiant avec ça. On va essayer de monter là-haut. Est-ce que je vais être assez grand? Ah ouais, oh là là, regardez ça. Et puis ça tourne. Oh là là, regardez ça, comment qu'il est excellent, mon vieux. Il est monstrueux, le vélo. Attendez, parce qu'apparemment il a l'air d'avoir un petit peu de patate. On va voir ça. Oh là là. Eh, il déchire. Ouais, franchement, il est bien. Eh, attends, ça passe. Ouais, ça passe à l'aise. Ça passe easy sur le rocher. Easy, mon vieux. Oh là là. Eh, je suis sûr que je rase les buissons avec ça. Regardez ça, tout terrain, ça passe. Easy. Ah non, ça bloque.
Suivant. Alors là, celle-là, je vous le dis, si ça marche, c'est un truc de malade, parce que j'ai pas essayé. Je sais que j'ai regardé, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien la dernière fois dans les commentaires. Il m'a dit, regarde, il y a un mode pour scrap mécanique. Et en fait, il y a un anglais qui a fait un mode sur le jeu, et il a fait des miniguns, et en fait, dès qu'il tire, bah t'entends vraiment le bruit des balles, il y a vraiment les balles qui partent, il y a l'effet du feu et tout. Et franchement, c'est super bien fait. Alors, je sais pas si ça marche comme ça. Non, à mon avis, ça va pas marcher, parce que si je veux que ça marche, faudrait que j'installe un mode, certainement. Ah ouais, trop fort. Oh, regardez ça et tout. Putain, la tour, elle est tout. Ah, ça déchire. J'envoie la patate. Eh, vous entendez pas comme un petit air de Artek quand je tire? Les munitions sont vides. Ok, d'accord. Arrête-toi. Regardez, ça recharge et tout sur le côté. Oh là là. Et puis ça s'allume dès que c'est chargé. C'est excellent. Moi, j'entends quand même un petit air de Artek. Vous voyez? Ok, suivant. Et petit à petit, on se rapproche dangereusement de la mystérieuse boîte. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans. Mais avant ça, j'ai trouvé un autre véhicule. Je peux vous dire que celui-là, il est digne d'un véhicule des Power Rangers ou je sais pas quoi, mon vieux. Mais c'est un truc de malade. Regardez ça. Putain, il a fait les roues maison et tout. Comment qu'il ait fait ce genre de roues? Parce que moi, j'ai pas ça dans mon inventaire, voyez. Attends. Ah, mais il y a eu des nouveaux trucs dans Scrap Mécanique. Regardez. Ah, mais j'ai carrément pas fait le tour. D'accord, il y a des nouveaux machins. Eh, ça fait un petit moment, moi, que j'avais pas redémarré Scrap Mécanique. D'accord. Franchement, pas mal. Ah ouais, mais par contre, comment qu'il fait ces roues-là, là? Moi, je pense que c'est des mods qu'ils installent, les gars. Je sais pas. À mon avis, ils doivent installer des mods. Oh là là, comment que ça tue, mon vieux. Eh, déchire. Ça fait quoi si j'appuie sur 1? D'accord, les réacteurs. Et 2. Oh! C'est le moteur. Oh là là, comment que ça tue, franchement. Ça passe ou pas si je monte sur les rochers? Ah bah non, ça passe pas. Eh, franchement, ça déchire. C'est un truc de malade. Par contre, je pense que c'est des mods pour faire les roues comme ça, vous voyez. Eh, franchement. Eh, déchire celle-là. C'est un truc de malade. Regardez ça. À votre avis, ça passe ou pas là si je mets la nitro? Eh non, ça passe pas. Toujours pas. Allez, on va l'arranger. Écoutez, on va passer à la construction phare de cet épisode. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il y a dedans. J'espère que ça valait le coup d'attendre. La Mystery Box. Ok, d'accord. Alors, c'est Jimmy qui m'a fait ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh! J'espère que ça vaut le coup. Attends, tranquille. Je déguste le tour. J'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. C'est une boîte surprise. Une Mystery Box. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On appuie dessus. Ouh là là. Ouh! Déjà, quand on regarde les connectiques, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, j'espère que ça valait le coup d'attendre, Jimmy. Allez, on ouvre ça. Oh! Oh là là, comment ça déchire! Oh, excellent! Trop fort! Attends, il y a moyen de la... Ah ouais, eh non, là, franchement, une mystery box comme ça. Oh, ça déchire. Ça déchire, la mystery box. Ah ouais, ouais, ouais. Deux, ça fait quoi? Ça fait quoi, deux? Ah, c'est les canaris qui tournent et tout, ok, d'accord. Merde, attendez, je me suis coincé. Attends, je vais me remettre en mode boîte mystérieuse. Allez, vas-y, c'est parti. D'accord, deux, c'est les canaris qui tournent, et trois... Ah ouais. D'accord, j'ai fait bugger les poètes, mon vieux, c'est un truc de malade. Eh, déchire. Eh, la mystery box. GG, franchement, ça déchire. Ah ouais, c'est un truc de malade. Bon, écoutez, on va se laisser ici sur cette mystery box. En tout cas, GG pour la mystery box. Et puis également, GG à tous les autres pour les autres constructions, hein, ça déchire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas que je suis sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez me rejoindre, c'est bien cool. N'oubliez pas que si vous voulez des jeux moins chers, il y a également un lien dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao tout le monde, bye.